Yo les gars, c'est Geoffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FUT 21, donc la présentation de la E-Ligue 1. Donc cette fois, ce serait une équipe aux alentours des 600K, 650K. Vous verrez qu'il y a beaucoup de joueurs similaires aux autres équipes fait précédemment, mais ça va changer niveau boost et niveau couleur. Donc c'est parti, on commence avec le gardien. C'est Walter Benitez de Nice, il n'a pas changé, c'est sa version boost, hein. 1m91, c'est pour ça qu'il est là, par rapport à un Keylor Navas qui est un petit peu petit à mon goût. Après, à vous d'en juger les gars sur le terrain, mais je trouve que ça va, il a une carte pas dégueu. Ensuite, Youssef Attal, version boost, côté droit, 5 étoiles, mauvais pied, 4 gestes techniques, il a tout ce qu'il faut, élevé moyen en rendement. 82 en tacle debout, 81 en tacle glissé. 94 en vitesse et 95 en accélération. Il a tout ce qu'il faut. 83 en agilité, 82 en agressivité. Très complet. Je pense que ça ne changera pas côté droit. À mon avis, plus on augmentera en budget, mais il sera toujours là. À mon avis, on verra. Jason Denayer de l'Axe, lui aussi, il change pas. C'est sa version boost à 84 de général. Moyen élevé comme rendement. Hop là, dans les détails d'attributs, vous voyez qu'il a de très gros stats défensivement, c'est pour ça qu'il est là aussi. 88 en interception, 86 en tacle debout, 87 en tacle glissé, 82 en vitesse, 86 en force, donc de très gros stats. Il fait vraiment le taf. À sa gauche, Kimpembe, mais cette fois sa version boost, pardon. C'est sa version boost à Kimpembe. Élevé, élevé en rendement, 1m89. Donc regardez plus précisément ce que ça donne. 87 en force, 91 en agressivité, 85 en tacle debout et glissé, 86 en interception, 77 en vitesse. Mettez-lui quand même une carte ombre pour améliorer encore un petit peu la vitesse parce que contre les Mbappé, ça va être difficile de défendre, mais ça risque de tenir et de bien tenir avec Kimpembe et Denayer, vu que c'est assez rapide. Et c'est grand et solide. C'est tout ce qu'il faut. Élevé, élevé en rendement, ça c'est très bien. Ensuite, à sa gauche, Camara, c'est encore la version basique de ce joueur. Parce que je trouve pas qu'il y ait un joueur qui vale le coup vu les autres prix. Je pense que pour 600K, il est largement suffisant dans une équipe de Ligue 1. Avec sa vitesse surtout, c'est ça qui me fait le choisir à chaque fois, bien sûr, hein, parce que c'est plus important à mon avis cette année encore. 88 en vitesse, 89 en accélération et après mettez-lui quand même sentinelle je pense pour améliorer la défense et le physique mais sinon c'est vraiment pas mal. Ensuite le milieu droit lui non plus il change pas parce qu'il est incroyable, c'est Jelson Martins avec ses 94 de vitesse, ses 5 étoiles gestes techniques, son rendement élevé élevé, ses 94 d'agilité, je vois pas qui on peut mettre d'autre. Sinon vous avez Di Maria mais je pense qu'il est un peu trop mauvais du mauvais pied, du coup je préfère beaucoup, enfin je préfère largement, ouais largement mettre un Jelson Martins qui a 3 étoiles mauvais pied, qui est un petit peu moins bon en finition, mais améliorer tout ça, regardez, vous mettez la carte sniper et ça améliore les tirs et le physique, ce sera déjà pas mal. Mais ouais, l'agilité, la vitesse côté droit, c'est exceptionnel avec lui, je vous conseille vraiment de le tester si c'est pas déjà fait. Ensuite, le premier milieu défensif que je garde parce que quand j'ai joué avec, je l'ai trouvé incroyable, c'est Benjamin André de Lille. C'est sa version briseur de règles, pas sa version boost qui est sortie cette semaine, les gars. Donc il a 86 en agilité, 93 en réactivité, 88 en conduite de balle et dribble, 90 en calme, 94 en détente, 95 en endurance. Vous voyez qu'il y a des stats incroyables partout. 88 en agressivité qui font vraiment la différence, vous verrez que vous allez les ressentir. Mettez-lui quand même une carte pour améliorer un petit peu la vitesse. Et sinon il est incroyable partout. Je le trouve vraiment bon Benjamin André, il récupère énormément de ballons. Et à sa gauche, c'est Renato Sanchez. C'est sa version basique parce que la version boost coûte beaucoup trop cher. On la mettra dans une autre équipe, peut-être dans l'équipe à 1 million. Mais pour l'instant, je vous dis que vous allez largement pouvoir défendre avec ces deux-là. Renato Sanchez, version basique. C'est vrai que sur sa carte, on ne dirait pas qu'il a non plus des stats de folie. Mais en match, il est vraiment incroyable. Si vraiment vous voulez
version boost ou quoi. Vous pouvez aussi prendre Morgan Sanson version Ligue des Champions en route vers la finale, qui est tout aussi bon. Mais là, j'ai essayé de changer un petit truc. Renato Sanchez, hein, avec ses 4 étoiles, geste technique et mauvais pied, élevé, élevé. Une carte ombre et il est monstrueux sur le terrain. Je vous conseille quand même de le tester si vous hésitez. Vous allez sûrement pas être déçu. Ensuite, côté gauche, c'est Jonathan Bamba. Mais ça, c'est ça. Deuxième version boost avec ses 4 étoiles, geste technique et mauvais pied. Il est de retour dans cette équipe. 87 en agilité, 87 en équilibre, 87 en conduite de balle et en dribble. Il a vraiment de très 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 grosses stats. 86 en puissance de tir, 82 en finition, 92 en vitesse et 93 en accélération. Vous voyez que là, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus finisseur sur cette carte par rapport à sa première version boost. Je vous conseille de le tester. Il a flair aussi, c'est pas mal. Vraiment, vraiment une carte très intéressante qu'il a, Jonathan Bamba. Ensuite, le milieu offensif athée de cette équipe, que vous pouvez faire même jouer buteur, hein, il est vraiment bon. C'est la première version boost de Depay. 5 étoiles geste technique, 3 mauvais pieds, 88 en vitesse, 87 en vista, 89 en coup franc. Il est incroyable, il a vraiment des stats de folie. 88 en puissance de tir. Vous verrez que vous ne serez pas déçus pour les frappes de loin et la finition. Du peu que je l'avais testé dans mon équipe fut champion et il m'avait pas déçu du tout du tout. Je vous conseille vraiment de le tester aussi les gars, je pense que c'est une très belle option. Et enfin, Ben Yedder, c'est sa version boost cette fois-ci. Avec 5 étoiles mauvais pieds, 4 gestes techniques, vous voyez qu'il se complète très très bien avec Memphis Depay. 91 en équilibre, 93 en agilité, 90 en finition, ça c'est incroyable. 88 en accélération, 83 en vitesse, donc mettez-lui quand même une carte chasseur à la rigueur pour améliorer. Ou catalyseur, à vous d'en juger. Mais vraiment de très gros stats aussi. 89 en conduite de balle, en dribble, c'est incroyable. Je trouve que ça fait vraiment une belle équipe de loin. Après, vous pouvez jouer avec le dispositif que vous voulez en 4-4-2, en 4-2-2-2, en 4-4-1-1, en 4-4-1-2, c'est vous qui en jugez. Mais franchement, c'est une très belle équipe et je pense que vous pouvez aller loin dans l'Orange League, hein, avec ce budget et avec cette équipe. Dites-moi vos retours en commentaire, les gars. Dites-moi les budgets que vous voulez que je fasse, les équipes que vous voulez que je fasse. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, les gars. J'espère que les équipes vous plaisent au fur et à mesure que je les mets sur YouTube. N'hésitez pas à me dire à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas constructif, votre commentaire et ça pourra que améliorer mes vidéos. En tout cas, merci à tous ceux qui m'aident et sur ce, je vous dis à la prochaine.